Mon père, les textes sacrés indiquent que seuls deux moines peuvent entrer dans la grotte, personne d'autre. Ah, bonjour, mon enfant. Je me demandais... Frère, laissez-nous. Laisse-moi un peu te regarder. Païen. Des armes, pas mal du tout. Mais je ne peux pas choisir n'importe qui. Hé, c'est très bien, mais... non, je ne crois pas. Tu as l'air robuste, mais je ne peux pas confier la survie de notre communauté à un parfait étranger. Si tu te faisais une réputation, je serais plus enclin à te faire confiance. Oui, Rockridge a eu de gros problèmes avec les bandits dernièrement. Pourquoi n'irais-tu pas à la taverne pour voir ce que tu peux faire? Ce serait un bon début. La bénédiction doit avoir lieu pour trouver le pèlerin. Tu dois gagner l'approbation de l'abbé. Tu trouveras peut-être un moyen de l'impressionner en ville. Utilise ta carte pour trouver les quêtes et les tâches. Ah bah si, c'est vrai qu'il nous a bien parlé des héros. Donc je vais juste vous parler du... Utilise ta carte pour trouver les quêtes et les tâches. Je vais vous montrer vite fait les cartes, donc le pèlerin... utilisez la carte pour écouter ce que Teresa a à dire. Le pèlerin est l'âme à la recherche de la vérité et de la liberté spirituelle. La blancheur de la robe représente la pureté, tandis que la doublure rouge est parfois considérée comme la colère maîtrisée. Les bras ouverts sont le signe d'un esprit ouvert et d'une nature généreuse, même si on l'interprète parfois comme le désir d'atteindre un but inaccessible. Les branches de l'arrière-plan symbolisent la croissance, même s'il s'agit plutôt d'une carte positive, le pèlerin se tient près de l'eau, ce qui indique le doute et la recherche du salut. C'est cool. Le pèlerin. Ce héros a une force étonnante et un esprit prodigieux, mais il l'ignore encore. Le chemin qui mène au pèlerin se trouve au nord. Bon. Donc... il est question qu'on fasse des quêtes à la con, pour que les gens ils nous connaissent et qu'on ait du renom, qu'ils nous connaissent, machin truc. Ça fait deux fois de suite que j'y connaisse. Allons-y. Alors comment ça perturbe un peu là cet endroit? Ah bah voilà, il y a un coffre. Je me disais bien. Il est tendu d'herbe comme ça, genre normal. Forcément, on dit sous-roche, ou plutôt coffre dans prairie. Pfff, café cafetier. Qu'est-ce qui t'arrive, toi encore? Rien. Ici, on est dans les ennemis. J'adore comme ça les atomise, quoi. Vous pouvez acheter poussée magique. Ouais, mais ça me détruit de l'expérience de général. Et moi, ça m'intéresse pas. Je préfère la garder. Laissez passer. Oh, le mec est complètement bourré. Mon Dieu. Hein? Comment est-ce arrivé? Juste après que j'ai payé les traites, boum! Il s'écroule! Allez, mon vieux Barnum, tu trouveras un plan. S'il y a une chose à faire, c'est bien de cogiter sur place. Comme oncle Phineas disait, si la vie t'offre un pont écroulé, alors fais-en des rames. Oui, peut-être une sorte d'ingénieur volant. Il pourrait survoler les bandits.
Mais impossible de les payer. Oh, sa père Galipette, je suis ruiné. Ruiné. Sa père Galipette. Décidément, lui, il a un peu trop abusé de son dico bon marché. Saint Lord, qu'on m'habille en porc et qu'on m'appelle saucisse. Voyez qui est là? C'est moi, Barnum de Bowerstone. Tu te souviens? Tu m'as aidé avec mon entreprise de prise d'image. Ça n'a pas vraiment marché. Je suis encore perplexatif. Vous devez avoir soif. Ne perdons pas de temps à évoquer le passé. Regarde-toi, tu es adulte. Tu es un vrai aventurier. Je parie que ta sœur est très fière. Je pédale un peu dans la semoule. Pourtant, tout allait bien. J'ai fait l'affaire du siècle très récemment. Un type merveilleusement étrange m'a vendu le pont de Rookridge. Ça m'a coûté jusqu'à ma dernière pièce d'or. Mais un truc comme ça est rentable, avec les péages et puis tout le reste. Mais maintenant, ce satané truc est en ruine. Et personne ne peut l'approcher pour le reconstruire. Les bandits, c'est eux. Une bande de saleté. Tu as dû les rencontrer en chemin. Ils poussent comme des champignons. Tu ne voudrais pas leur donner une leçon, non? En souvenir du passé. Je serais très ambidextre si tu acceptais. Tu pourrais même avoir mon vieux Thésaurus, je le connais par cœur. Ah, on a remarqué que tu connaissais ton Thésaurus par cœur, hein? Je suis ruiné si le pont n'est pas reconstruit. Et ce ne sera pas une première. Alors tu vas faire fuir tous les bandits de Rookridge? Merveillable, je savais que tu m'aiderais, mon ami. Mais fais bien attention, ces vauriens sont très dangereux. Les gardes n'ont pas eu de chance, mais grâce à toi, je sais que tout sera formidastique. L'or coulera bientôt à grand flot. Bon. Ben, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avant? Il vous reste encore beaucoup de chemin à faire pour devenir célèbre. Moi aussi. Il se fait des potes. Je vais peut-être vous montrer vite fait, tiens, à quoi ça ressemble les travaux. Bon, ça a rien de passionnant, mais. Alors. Donc voilà, le but c'est de taper dans la bonne zone, tout simplement. Évidemment, si vous tapez dans le vert, vous gagnez plus de sous. Mais plus ça va vite, et plus c'est compliqué, mais plus vous gagnez de sous. Un moment, rien de pas bien, rien de bien passionnant, mais ça permet de se faire un peu de sous si on, sinon on manque juste d'un peu d'un poil. Et par la suite, ça commence à aller vraiment vite. Ça devient vraiment compliqué. J'ai juste en gagné une centaine pour avoir la promotion. Quoique, ça va pas super vite. Quoique ça devrait commencer à s'accélérer maintenant. Avec le multiplicateur et tout. Mais bon. Allez, ouais, je le fais jusqu'à 100 pièces. Donc en tout, je crois qu'il y en a 4 ou 5 des métiers. Il y a ça, forgeron, barde. Pâtissier et le dernier, je sais plus. Il me semble qu'il y en a encore un. Tout ce qu'il vous
C'est passionnant, hein. Voilà, et tous les 10, vous avez un multiplicateur qui augmente. Voilà, ça devient un poil compliqué. Vous êtes un bûcheron 2 étoiles. Oh mon dieu! Alors, jusqu'à la promotion. Voilà, rien de vraiment passionnant, mais bon, ça. Il fallait que ce soit montré. Par contre, je vois que ça brille dans la baraque. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quelqu'un? S'il vous plaît. Un truc qui frit dans votre maison, est-ce que je peux le prendre? Bon, apparemment, y'a personne. Tiens, coûte combien la maison? Plus fois info. Ah, bah, il coûte pas très cher. Toi, des trucs là. Wow! Ouais. Il supporte pas qu'on utilise les pouvoirs. Pff, je sais pas si j'achète du coup. Allez, j'achète. Comment il gueule le gosse? Ajuster prix. Hop, hop. Bon. Donc, défoncer les bandits de Rockridge. On va pas pouvoir être bien long. Alors, juste 2 secondes avant que je recommence à courir. Parce que, évidemment, on le voit sur Dailymotion de Fable 7. Ah, merde ! Étonnant ! C'est juste Dailymotion. Voilà. On s'est relancé. Évidemment, il fallait que je me rende compte que maintenant. Non, là-bas c'est le temple des ténèbres. Alors. Allons défoncer du bandit. Faut le dire au chef. Oui, j'ai dû louper une partie de la conversation, je pense. Petit bandit. Oh, les effets de lumière, franchement. Chopez-le! Prends une bouffée de... Oui, venez, j'aurais pas allé venir vous chercher. On est enfin nombreux! Tire-lui dessus, moi je reste là. Ils sont sympas les bandits, ils sont comme ça. Oups. Voilà. Mode furie. Ouais, mais bon, encore une fois, c'est pas de la bonne façon. La bonne façon. Pfff. Une bourse, oui. Toujours bon. Surtout que j'en ai acheté une étable. Dans l'autre chambre, il n'y a pas quelque chose aussi? Dans l'autre chambre. Inspecter. Un petit cheval. Très important, le petit cheval. Et en bas d'ailleurs aussi. Il n'y a pas quelque chose non plus? Par des caisses. Non. Bon. Et ben on va continuer le chemin. J'irai plus notre extermination. Vous ne m'attraperez jamais. On ne m'appelle pas Flash pour rien, Andouille. Tout bambin déjà, je semais les gardes. Vous n'avez aucune chance. Le dernier qui a essayé de me pourchasser s'est effondré hors d'haleine. J'étais déjà à des kilomètres. Je peux passer la journée à tirer sur ton sale museau. Désolé, vermine, je dois filer.
Une bouteille, je sais pas, je sais pas. Non. Il a pété la bouteille en lui donnant un coup de tête. Le mec, il est comme ça. Un jour, il a dit, serre-toi de ta tête. Ok, je me sers de ma tête. Boum. Putain, c'est n'importe quoi. Le mec, il met un coup de boule pour péter une bouteille. Tout va bien. Non ? Pire ? Les toilettes sont par ici. Amenez votre papier. De quai ? Pourquoi pas ? Bon, il y a que des tas de merde. Semble que normalement il y avait un coffre ou une clé cachée dans... Dans l'auberge. Enfin, dans ce qui est censé être une auberge. Bon. Après, c'est peut-être plus tard aussi. Voyons comment il va rien. Tu l'as tué. Il devait du... Il devait du quoi? Ah mais, hé hey. Téléporté juste pour lui mettre une bassos en pleine tête. 209% d'expérience bonus. Oh mon dieu. Ça va être normalement bientôt commencer à être bon pour mon adresse. Potion de santé banale. Gâterie pour chien. Et bah voilà, on a qu'à faire le plein. C'est pour ça aussi que j'avais aussi des potions à boire. Mais que j'ai complètement zappé de les prendre. Ah bah y'a plus d'argent là. C'était ça en fait que je pensais qu'il y avait à proximité du de l'auberge. Inspecter. Parfum au dob. Bah ça va sentir bon. Oui bah je l'ai vu, merci, y'a un truc qui brille en plein milieu de nulle part. Tu te fous de ma gueule le chien sérieux des fois. Hein.